ce moment. On peut se tenir debout pour accueillir son excellence le président Laurent Gbagbo. C'est dans les petits villages le mieux se trouve le plus joli fan de Gaillois. C'est ma mère David Palmer. Nous assistons à l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Voilà qui tout à l'heure va descendre de son véhicule. Ce groupe que vous voyez, c'est le corps des BAC. Accompagnés au son de leur corps et de leur tartane, le président Laurent Gbagbo qui va tout suivre saluer Chef Anderson, ouais, qui sont donc sous la tribune. Vous pouvez avancer. Son Excellence le Président Laurent Gbagbo a mis donc pied à terre et fait en ce moment un tour d'honneur pour saluer et accompagner Sébastien Damadjé, le président de la plateforme Ensemble pour la démocratie, l'honorable Georges Alessie Armand Oyen. Voici la personnalité qui accompagne en ce moment le président qui est en train de saluer ses hommes. Le corps d'État. Thank you.
journalistes sont empêchés de faire leur travail, c'est-à-dire de prendre les images. Merci, merci. Merci beaucoup. C'est le corps d'État qui a donc accompagné tout à l'heure le président dans ce tour. Mais est-ce qu'on peut les applaudir encore? Excellence, Monsieur le Président. Sécurité, maintenant, s'il vous plaît. Merci. Merci, mesdames. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président. Monsieur Georges Bamaoui, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Docteur Assouadou. Monsieur le ministre Désiré Nyon-Conté, conduisant la délégation du PCI-RD. Mesdames et messieurs, camarades membres de la direction du parti, honorables chefs traditionnels du pays ouest, mesdames et messieurs, population du pays ouest, population de Mama qui accueille le digne peuple ouest. Excellence, Monsieur le Président, les populations ouest des régions du Guémon et du Cavali ont décidé de venir vous saluer, ont décidé de venir vous traduire leur soutien indéfectible. Ce peuple meurtri dans sa chair, mais dans son âme. Ce peuple qui a subi affreusement les affres de la guerre, une guerre qui lui a été imposée.